Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous comptons être capable de rentrer la canoë avec quelques informations là sur Channel pour la Channel Messac Nouvelle. Bonjour, bonsoir la société. Bonjour, bonsoir la famille. Comment nous? Moi content pour capable toujours gagner chance à contentement ça pour venir informer nous sur ça qui a passé en Haïti et me connaître besoin connaître ça qui a passé dans le pays. Merci parce que nous toujours fait nos présents. Nous toujours like information nous. Nous toujours quitter un commentaire. Mais l'autre façon qu'on capable montrer qu'on aime travailler avec cette nouvelle là, l'important pour qu'on capable abonner ensemble avec nous. Encourageons proche ou abonner avec équipe cette nouvelle là. Ça la fait nous bien en pile. On va porter ba nous ensemble information. Mais gain là-dedans yo, nous pral fouiller zone en Kalalou pour nous capable venir avec le plus information pour nous. Dans les cap venir là yo. Mais n'a commencer parler nous de yo. Parce que c'est important pour nous connaître ce qui a passé dans le pays. Insécurité, ce qui gagne dans le pays. Mais chaque jour qui passe, les gens ont mouru en bas de la bandit. Nous apprenons, après-midi samedi, qui c'est exactement 5 février 2022, selon témoins, selon les gens qui étaient sur place, les gens qui étaient là, les gens qui étaient gardés, les gens qui étaient vivants, les gens qui étaient, ils ont confirmé qu'il y a deux personnes qui mourent dans une machine. C'était un garçon et puis une femme, d'après ça qui dit. Et les gens, ça arrivait devant local mais un boudon qui trouvait sous ou boudon et n'a pas rappelé nous songe attaque nèg armé tal fait dans l'école ça même l'information tant gens gaillé pour te connaître est-ce que c'est ça kidnapping qui devine fait est-ce que c'est ton parent ou t'as suivre parce que l'information te fait quoi que c'est un parent qui galait à faire transaction la banque que bandi t'as suivre l'attend dans l'école là et puis yo commet action ça jusqu'à ce que t'ait un élève qui t'ait prend balle. Mais ça qui arrive aujourd'hui devant local maire Boudou d'après information qui vient de nous jusqu'à présent il a posé question pour qu'on ait deux monde ça qui mouri derrière volant machine est-ce que c'est à ça les insécurité généralisée est-ce que c'est bandi dans tout le monde qui passe vide balle sur eux est-ce que c'est à une tentative kidnapping est-ce que tout est en exécution sommaire ça veut dire est-ce que c'est des monde que même yo te gen mission pour touye yo même Jean yo touye docteur Mackenzie Guerrier parce que l'obtant des témoignages madame docteur Mackenzie Guerrier les mêmes qui dans ma chance avec Maril il fait qu'on est une situation par l'autre que question ça c'est pas kidnapping c'est pas de saleté c'était une mission que bandi yo te gagné pour te capable touye Maril moi pral venir avec l'autre information pour nous concernant Tifiette ça qui gagne 16 ans qui mourit en babal dans canapé vert m'a venu avec notre information pour nous tout qu'il est avec monde que la police a arrêté en Okoto qui gagne marijuana dans mayo n'a venu avec tout détail ça yo mais avant moi venir porter ba nous ensemble élément information ça bien détaillé pas jamais suspendre tande nouvelle ça il l'important en pile ou même qui besoin voyez colis ou dans divers pays dans monde là tant que Haïti Jamaïque Bahamas, Saint-Domingue, Chili, Brésil, Canada, Colombie. Et puis, ou même tout qui n'a aucun contact ni carte de crédit pour faire commande à l'étranger, relayez l'équipe Zaan Shipping dans le numéro 34 21 53 56 42 59 81 59 305 515 26 16. Avec Zaan Shipping, marchandise à privé sous dans un petit budget. Marchandise ou en l'avenir, dans le bateau ou bien dans l'avion. Rapide, rapide. Bon, dis-nous, mes amis, question de sécurité, libère en pile problème. Parce que, là, nous finissons par comprendre que, façon que nous sommes dans le pays, façon que les bandits ont kidnappé nous dans le pays, ou finalement dit que l'État semble les mêmes, by vague. Pendant que nous apprenons que deux personnes qui mourent dans la machine, yo, en face de boudon, sous boudon, nous apprenons tout que deux personnes qui t'a perdu la vie dans la boule 12 et c'est la police qui t'a confirmé nouvelle ça. Ça veut dire là pas gain chômé pour bandi yo. Bandi yo pas chômé dans tout le monde. Bandi yo pas bay vague dans tout le monde. Si gros samedi, bandi yo au moins t'a fonti poser. Non, y'a pas dans question ça parce que yo même clé sur ça, c'est vieux acte qui a fait, c'est moun a assassiné selon information que nous rive jeune. Gen moun ki fè kwè ke nan moun ki ta mouri nan machine sa, son c'est un policier. Mais jusqu'à présent n'ap tann information bon côté la police pour ta faire konnen est-ce que c'est vrai c'est un policier et ça gagne. N'ap dit tout te kan pil tire jodi an nan Matisan
côté nek village Grand Ravine ak nek Tibois tap toke kon yo. Et n'apprend gen kek soldat nan base Chris la nan Tibois ki tap peti la vie yo. Et yo fouye machine, en pile machine Jose a fouye ki yo même tap passé sou route lan. C'est une situation qui m'en pile tête chargée. Comment est ta santé isoyé? Bien dit, comment est ta santé isoyé? Lundi, iso ne connaît iso bien, iso 5 secondes. J'en dis à 5 secondes, monsieur, comment est ta santé lié? Parce que dans pile bruit cap couru là, que monsieur ta santé, monsieur, pas fin trois codium. Dans pile bruit cap couru tout, cap dit que iso, monsieur senti, monsieur semblé à le mettre garçon sous lit. Comprends bien, se semble à le mettre garçon sous lit. Mais parole l'ont dit, au grand bord pour elle, pas du dormir dans le cafou. Au grand bord pour elle, pas du marcher bat moun. Parce que parole l'ont dit tout, si fait pas de couper fait, ma choquette pas tape vive. Et quel que soit bandit, je dis, Jean-Ancien Président Jovenel Moïse te dit, la vie bandit, coûte. Et Ancien Président René Préval lui-même te dit, l'alte président, bandit, y a deux choix. Soit que remettre Zamna en douceur, ou bien force de l'audio, al prendre nan meyo de force. Ça c'est situation ça qui les même rivé. On capable comprendre ça. Nous comprendre que situation les même, les très très compliqué. Est-ce que c'est ces civils touillés devant mes boudons? Est-ce que c'est là des agents policiers? Ces questions ça nous même n'a posé. Mais n'a seulement fait qu'on est. Information c'est que il y a deux monde qui veut dire la vie devant local mes boudons. Mais n'a venir avec l'autre détail pour nous dans prochain information que n'ap gagné sur channel Paulin pour nous donner plus de détails. J'en te dis là tout, pas oublier ça, gagné fillette 16 ans ça qui veut dire la ville. Fillette 16 ans veut dire la ville et nous pral dit que li relé fillette ça, li relé Sterline, li gagné 16 ans, li mouri en babal bandi armé que pas arrivé identifié dans la nuit qui était vendredi 4 février 2022 dans Canapé Vert. Selon témoignage moun nan zone nan, yo fè konnen bandi yo touye l parce que t'as peut-être kidnappé et puis yo pa ragete a lavèl yo touye l. Est-ce qu'on comprend jodi an réalité qu'on a bandi yo appliqué? Ça rappelle nous pasteur Chériné, Mathieu Chériné que bandi t'as peut-être kidnappé dans Delma 41, yo pa ka lavèl bien, li pa gete fait bandi yo touye l. Là encore son l'autre problème qui gagne. Bandi yo lè ou vin kidnappé yo. Quel que soit ça ou vient comme obstacle, y a éliminé obstacle là ou bien éliminé moun nan vinn kidnappé ya si que yo pa ka la avec moun nan. Mon clair mes amis, nous même n'ap essayer réfléchir, n'ap essayer comprendre phénomène kidnapping là et comment capable solutionner. Comment que autorité concernée yo capable garder dans qui niveau capable pour une solution ensemble avec lui. Que l'un connaît plus gros problème moun ge jodi an, avec plus gros ça la pensée jodi an, c'est connait que l'elle sorti bandi a vinn kidnappé. Li maintenant tête li tout, même l'elle ta la kayli, bandi a vinn kidnappé. A dit pa gen ken côté moun sa senti l'assuré. Pa gen ken côté moun sa ka dit tête li que li gon confiance que li tout repos en est pas privé. Parce que nous comprenons je dis hein, zak insécurité hein, zak kidnapping nan c'est plus gros problème. Les passé nèg Matisse en cap goumé entre yo pour empêcher moun traverser, mais pour moun prendre balle en bas meyo. Ou joindre c'est la croix des bouquets cap faire recherche sur Timachon cap tuer Timachon cap tuer ces civils cap tuer police à madame yo si mon prend balle dans machine bloquer diverses rues diverses gros axes dans croix des bouquets laissez pas nèg Genève en famille et allié qui est plus le gamin on main tout cap bail problème sous badelma à cité soleil sous aéroport hein? Ou tendez c'est des situations des monde que bandi a peut-être kidnappé, yo pa ka kidnapper moun nan, yo pa ka kidnapper moun nan, yo touye l. Je dis à plein monde dit, pa ka fa ken projet. Ou pa ka parler de ken avenir pour un jeune jodi an dans pays. Ou pa ka parler pour même temps au monde qui âgé tout dans pays. Parce que tellement bandi eux même, yo sans pitié dernier temps ça et yo pa ba an ken moun chance nan question criminalité, nan question za kidnapping. Est-ce que ça doit être comme ça? Est-ce que situation ça pas doit résoudre? Est-ce que situation ça pas doit gagner qui se poser sous lui? L'un connaît que réalité ça en pile mon abdi côté CSPN, côté Conseil Supérieur Police Nationale qui a pour mission protéger et servir la vie monde avec bien monde dans pays. Pas oublier la police gagne mission ça, les attributions ça, c'est protéger et servir. Mais plus monde dit jodi a, il voit la police démissionner. Yo wè l'état démissionner.
Et puis ce sont l'État qui a fait quoi ou les sont l'État qui a cherché les mêmes pour être capable de sécuriser pour petit lit, pour pays, pour monde. Parce que les regarder, ils n'ont pas qu'à comprendre bien ce qui a passé dans la façon que mon a perdu la vie, dans la façon que bandit a kidnappé mon dans le pays. L'autant de moun la kay bouke ran nou service, yo di ou chita sou rozet ou ap commande bâton ke ou. Eh bien, Zion Shipping pap jam bouke ba ou service, li invite ou commande bâton ke ou, jan ou vle. Mande service nan 34 21 53 56 42 59 81 59. Ou même en Haïti ki bezwen fè commande à l'étranger, ou pa gen ni kontak ni kad de kredi, rele Zion Shipping, yap fè commande lan pou ou, e yap livre l ba ou la kay ou, kel ke swa koto ou ye nan peyi ya. Bon, si ou gen fami, ni porte côté dans monde là cap voyer qui choye pour vous di yo relé Zion Shipping 305 515 26 16 Zion pral chercher colis à la caillou tout partout aux États-Unis à Canada et puis faire livraison à domicile en Haïti 305 515 26 16 ou ka choisir faire transport par bateau ou sinon par avion pour faire plus rapide 34 21 53 56 42 59 81 59 ou soit faire commande sur internet www.zionshipping.com. Colombien Mario Antonio Palacios Palacios et yon na principal suspect dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, eh ben, li comparaître devant un juge fédéral dans l'État Floride jeudi vendredi. Détail avec Sandra Lemaire. Pendant une audience tout court devant tribunal à Miami, avocat qui représentait Mario Antonio Palacios Palacios là, Alfredo Izaguirre, expliquait juge Jacqueline Becerra que à cause surtout pandémie coronavirus là, li pas capable rencontrer face à face avec Liani, qui donc li pas gain temps assez pour le préparer pour audience là. Juge là te répond Mabbaou 30 jours. Et li fixé prochain paraître devant tribunal là pour 4 mars. Avocat gouvernement américain est d'accord avec demande ça. Palacios qui gagne 43 ans a fait face avec accusation d'est-ce qu'il était participé dans assassinat ou bien kidnapping d'un leader étranger en dehors pays États-Unis et que il était fourni assistance matérielle qui t'est résulté dans leur mort, sachant que assistance ça t'a pral servi pour commettre soit un assassinat ou bien un kidnapping. Décision juge là pour renvoyer audience là, v'lait dit, Palacios a gain temps pour présenter déclaration sous culpabilité li ou bien innocence li. Ça va bailler avocat gouvernement tout plus temps pour montrer preuve pour appuyer accusation yo. Li possible tout que ça va permettre deux avocats yo entendre yo sous qui Jean Palacios parle plaider malgré que avocat li Izaguirre dit li pas envisager ça pour kounier. Colombien fait demande n'est pas écrit mercredi pour renvoyer audience là pour 30 jours, mais juge la porte comprend une décision. En pile moun tapton audience jodi a pour tendre officiellement accusation la justice américaine lancée contre Palacios à qui Jean li pral plaider, mais aucun bagay sa yo pas de fait. Pendant une conférence pour la presse improvisée après audience là, Izaguirre déclarait que Palacios pral proclamé innocence li 4 mars cap vinia. Yon lot accusé en connexion ak assassinat Moïse la, haïtien Rodolphe Jor li même pral tourné devant tribunal Miami 25 février. Sandra Lemaire pour la Voix d'Amérique, Washington. Merci Sandra Lemaire, yon dossier que n'a su pour de très près nous pral nan pays d'Haïti côté partisan akò Montana nan nord avec nan nord de ce pays d'Haïti a mobilisé pour 7 février cap vin la date yo prévoit pour ancien gouverneur Banque Centrale là en parlant de Fritz Alphonse Jean capable entrer nan Palais National. Yon reportage Maxino Gérard Maxino depuis cap haïtien. Diverses structures qui ont appuyé à Commandana dans nos acteurs des pays d'Haïti annoncé pour aujourd'hui vendredi 4 février 2022 avec démarrage une série de consultations pour qui aboutit à monter sous pouvoir ancien gouverneur de la Banque Centrale Fritz Alphonse Jean 7 février 2022. Il y a 4, 5, 6, 7, 8, 9 février, c'est planification, mobilisation, sensibilisation pour nous permettre à ce que 7 février à lui-même, c'est une date normale, c'est une date
réel par rapport au consensus nous-mêmes n'a prêché au niveau nous voulons vivre, nous dit que faut Haïti lui-même, lui sorti dans cette situation difficile ça, dans cette situation catastrophique ça que peuple haïtien lui-même la vive aujourd'hui. Pour représentant plateforme solidarité à Franklin Pierre, à Commandana, nécessité en pile consensus. Et ça qu'a fait aujourd'hui là, il demande toujours en pile consensus. En pile chita parler, en pile mettre ensemble pour nous permettre que nous aboutissions à véritable sacré les transitions pour les fâchés. Parce que à Commandana, il n'y a pas bagaille pour un grand monde, pour une grande organisation politique. Et tant qu'on pile mon apprenne lien, mais c'est affaire de toute une société, de toute une communauté qui est en difficulté. Et nous pas qu'à continuer d'accord, pays d'Haïti, rete Jean Lien. Enfin, agronome Alvin Sylvestre, qui t'a parlé sous nos organisations révoltées, lancé appel à tout secteur dans le pays d'Haïti pour rejoindre acteurs à Commandana, une façon pour parler national capable de gagner un locataire 7 février qui a venu là. Nous encourager tout secteur dans le pays pour que yo poté coller, yo collaborer avec instance ça yo quand à Commandana, nous voulons parler des bureaux de suivi à Commandana et puis CNT pour que travail yo faire li pas en vain. Diverses organisations sociopolitiques qui proches à Commandana prévoient manifester dans ville Cap-Haïtien dimanche 7 février 2022 pour capable défendre position. Gérard Maxino, Cap-Haïtien pour la Voix de la Mairie. Donc il y a une organisation qui dit après le lever campé dimanche 6 février Cap venir là toujours dans dossier politique coalition et organisation sociopolitique Sienté à Commandana yo annoncé y a mobilisé dans cadre application résultat élection 30 janvier 2022 en suivi un reportage Renan Toussaint Lina Port-au-Prince. Dans une conférence pour la presse vendredi 4 février 2022 Youn nan dirijan yo, Rudolf Prudan, dit démarche pour installer Fritz Jean comme président ak Steven Benoit comme premier ministre qui t'a supposé al diriger transition rupti a parlé a doit aboutir pour délivrer pays d'Haïti. Nous croyons qu'elle représente une alternative sérieux, nous gen confiance que son alternative sérieux et nous gen confiance que la prendre pays a un moment donné. Gouvernance transition faut l'y installer de manière à ce que nous modifier complètement mode de vie nous modifier complètement façon que nous diriger pays nous modifier complètement relation que nous avons avec l'international là, en particulier ambassade américaine, le groupe Canada, la France, etc. Moun qui est habitué maintenant tête yo que pays a c'est pour yo lier. Sous base ça, professeur Josué Mérilien, youn nan initiateur ak signataire à Commandana, mandé population haïtienne nan levé campé. Faut nous mobiliser tout pays pour Amérique connaît, pour le connaît que peuple haïtien dit non. Et nous, ça, nous sommes réveillés. C'est ça, nous vient tout le monde. Dans diverses lieux de la que soit Solino, que soit Fonds National, que soit École supérieure, quel que soit Chien de Masse, quel que soit Gérald Bataille, Canaran, dans tout lieu de la résistance, dans tout lieu de l'assemblement, et dans tout département, dans tout 10 département, nous disons, peuple, levez campé. Mon donne là, c'est levez campé général pour nous retirer le pays en bas de griffe. Beaucoup de parle, M. Wilson Joseph, qui est membre fondateur citoyen engagé pour une sortie crise. C'est ça qui a signé à Louisiana. Quoi, c'est seul un compromis politique en différents secteurs qui a résolu la crise politique haïtienne. Je dis, on a demandé à acteurs, ça y est, le monde qui a fait accord, le monde qui a fait proposition, pour une chita, pour nous connaître destin pays à partir de 7 février, ça nous va le faire. Pendant ce temps, Premier ministre Ariel Henry dit qu'il a continué à faire chita tendé avec acteurs concernés sous base d'un consensus politique largement large, pendant que, d'après Saldi, il a travaillé tout dans le cadre de mise en place du conseil électoral provisoire qui permet d'organiser bon genre élection pour renouveler le personnel politique. Là. Renan Toussaint pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Donc, divers accords, n'a pas parlé de accord Montana, et l'on dit accord Montana, ou est accord Pennant, et puis nous connaît que accord unitaire Louisiana, lui-même, eh ben, équipe s'était rencontré avec Premier ministre Ariel Henry, nan, semaine, Geléo pas sorti d'accord, parce que yon pour monocéphale, yon pour bicéphale, et pendant ce temps, ensemble, organisation signataire accord 11 septembre 2021, manifesté dans diverses rues, dans la capitale haïtienne, nan, pour forcer Premier ministre Ariel Henry, respecter ça qui dit dans le document ça, yon reportage, Massado Vilme depuis Port-au-Prince. Nous-mêmes, comme signataires, quoi, 11 septembre, nous demandons application accord dans tout son intégralité.
Silayo lancé un ultimatum par le Premier ministre Ariel Henry pour forcer le respecter accord bonne gouvernance apaisée et efficace qui signé à l'IA. Ariel, son mental, son audacieux. Accord 11 septembre, nous-mêmes, des instants, organisation populaire qui a signé avec là, la respecte. Deuxièmement, sécurité établie dans le pays. Troisièmement, la vie chère. Quatrièmement, quittant plus 9 ans. Quatrièmement, 4 démarrants versés éliminés. Ariel, ou quand on va 7 février, pas sûr qu'on va aller. Mais chérie, par la cabane Mougoumé, à partir de 15, 14, 10, sous par répondre avec ça qu'elle a décidé à voir. Ariel Henry, parti encore pour te faire 4 blanches, pour te faire madame, si Bougouni, si Ménage, n'est pas réelle, travail diop, pour rien pas fait, et bien nous te dire Ariel Henry comme ça, c'est pour mettre l'autorité de l'État, pour la sécurité, pour mettre un programme d'apaisement social pour les gens qui sont dans le quartier populaire qui bim mal le à manger. Tous les jours, on place chaud par jour, ils ont caché manger pour manger. Tous les jours, c'est vendredi 4 février, il y a 3 jours pour faire un signal clair. À partir du 7 février, nous allons déclarer en notre pays qui Ariel, son est irresponsable, il n'a pas dirigé, mandat fini. Manifestants ont demandé pour le Premier ministre Ariel Henry remettre tête pays à 7 février qui a venu là s'il n'est pas répondre à ensemble revendication population. Nous dit Ariel Henry, pour moi-même, s'il n'est pas qu'à résoudre le problème insécurité, il n'est pas qu'à résoudre le problème kidnapping, non, il n'est pas qu'à résoudre le problème la vie chère, nous avons demandé pour la guerre. Nous demandons d'établir la sécurité. Nous demandons la paix dans le pays pour le peuple qui a joué ça pour l'activité pour tout le monde qui a répondu dans le pays. Si ce n'est pas ça, le jour qui a venu, nous devons aller. Et sécurité, quand on quitte la ville, je dis à la, nous finis là pour nous dire Ariel Henry, faut qu'il ressaisisse, il faut qu'il voit, faut qu'il bat un signe clair, faut qu'il fasse une déclaration publique à la nation pour dire que s'il n'est pas capable de sécurité de pays, eh bien il échoue dans la mission. Toutefois, Premier ministre Ariel Henry continue avec des machines à entreprendre pour mettre en pays un conseil électoral provisoire dans le cadre d'organisation prochaine élection en dans le pays. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia Dovilme pour la Voix de l'Amérique. Merci, Massia Dovilme. Et c'est avec reportage ça que nous avons fait mes pages politiques dans le pays d'Haïti. Donc, tout Dieu braqué qu'on y a sous, surtout capital là, mais sur date 7 février 2022. Et d'après information qui vient de nous, eh ben, la police nationale lui-même la prend des dispositions pour que journée passe bien. Nous avons quitté l'actualité dans le pays d'Haïti pour nous parler de actualité internationale, eh bien, il y a un président russe là, Vladimir Poutine, qui rencontrait leader chinois Xi Jinping quelques temps avant cérémonie ouverture Jeux Olympiques 2022, Jeux Olympiques d'hiver. Et Jean-Robert Dino que rencontre ça, montré une unité qui existait entre deux pays. Ça, on a parlé de la Chine avec la Russie, dans le moment que le président russe là, Vladimir Poutine, gon chire pit avec les États-Unis sous dossier Ukraine. Tension toujours haut sous frontière États-Unis et la Russie plutôt partagée avec Ukraine. Jean-Aubert, on va suivre de très près dossier ça. Journée jodia, dans qui premier? Eh bien, ballon pas bougé. C'était que tout Russie toujours massé sous frontière Ukraine. Non, mais tout n'a dit que non, c'est unité pendant l'ouverture cérémonie des Jeux Olympiques. Eh bien, deux leaders, on a parlé de le président Poutine avec le président Xi, eh bien, ils ont rencontré. Côté que, ils ont publié tout une déclaration conjointe. Côté que, d'abord, la Chine supportait position la Russie sous dossier Ukraine. Non, pour demander pour l'OTAN, retirer les soldats qu'elle gagne dans pays Europe de l'Est. Et puis, tout pour lui et pas accepter Ukraine dans l'OTAN, mais en même temps tout, ils ont critiqué les États-Unis pour demander pour les États-Unis tout suspendre ingérence des États-Unis sur le continent européen avec les pays asiatiques. On a américain en fait qu'on est presque venu en tant qui visait empêcher président Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine. There's certainly no interest in escalating this situation into any military conflict. Christian Gillibrand qui était parmi les parlementaires qui visitaient capitale ukrainienne Kiev, ça pas gain longtemps déclaré nous pas gain aucun intérêt pour situation ta tourner un conflit militaire. Nous souhaitons que ta résoudre sous base d'une entente multilatérale diplomatique. Mon espéré président Biden a capable réussir faire sans problème. Républicain dans le Congrès, tant que leader minorité dans le Sénat, Mitch McConnell, critique l'administration Biden, non, il dit qu'il peut agir plus vite pour détourner le président Poutine. Sanctions after the incursion are less effective than sanctions. Sanctions après un pays fin envahi un autre moins effectives que si vous avez adopté avant. Mon espéré administration a pris ça en considération, l'a discuté sur la question Ukraine, non. Il y a un pile marge de manœuvre devant.
Conflit Ukraine n'a pas empêché le président Vladimir Poutine de participer dans la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver Pékin à côté du président Xi Jinping. Что касается наших двусторонних отношений, то они развиваются действительно поступательно. Leader Ousla parle pour dire que les relations bilatérales entre deux pays ont développé de façon progressive avec un esprit amical et un partenariat stratégique. La Chine n'a pas caché support pour la Russie malgré l'immense plus passé 100 000 soldats sur frontière ukrainienne. La Russie continue de demander l'OTAN pour ne pas accepter l'Ukraine comme membre de l'Alliance de défense militaire et puis retirer les soldats de gagner dans le pays Europe de l'Est. Analyse se fait connaître, coopération entre la Chine et la Russie est capable de rendre difficile pour les États-Unis imposer sanctions ou adopter l'autre mesure si la Russie envahit l'Ukraine. Une augmentation hostilité entre la Russie avec les États-Unis capable de tourner attention au président Joe Biden qui identifie la Chine comme pire aux priorités politiques affaires étrangères administration américaine. D'après officiel américain, la Russie apparaît pour lui fabriquer une faux attaque militaire ukrainienne ou bien personnel intelligence qui est capable de justifier raison pour traverser frontières. Secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, exprime inquiétude pour être là aussi continuer à déployer militaires sur frontières ukrainiennes et puis plus soldats avec équipement militaire dans Belarus, donc au support unité spéciale, avions de guerre, lancement missiles balistiques, coup de portée avec un système de défense missile sol-air. Le président français Emmanuel Macron a annoncé la visite de la Russie lundi qui a venu là pour rencontrer le président Vladimir Poutine avant de rencontrer mardi le président ukrainien Volodymyr Zelensky avec objectif pour le désamorcer crise sur frontière ukrainienne entre États-Unis et la Russie. Jean-Robert Philippe, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. N'a pas entré dans l'actualité concernant les États-Unis. Hier, 3 février, président Joe Biden est allé dans New York, côté il a visité le département de police là. Et puis, il a fait un discours sur dossier crime et violence qui a un rapport à Xam. Lionel Demarat a dit nous plus. Président Joe Biden visitait le plus gros département de police pays. Hein? Dans le moment utilisation d'armes à feu pour faire violence a renforcé dans gros vidéo. Tandis que l'autorité a enregistré une grosse augmentation dans la quantité d'armes à feu illégales qui a circulé dans la région. Visite la déroulée tout moins que 2 semaines après voyou criminel. T'es ouvert coup d'armes sous 2 agents de police New York. Et puis, yo t'es touillé yo pendant yo t'as fait travail. Abraham dit c'est assez. Parce que nous connaissons, nous capables de contrôler ça. L'île est pour mettre l'agent à la disposition du bureau de police. Pour mettre l'agent à la disposition moun qui a protégé la communauté New York. D'après sondage d'opinion qui fait ça pas longtemps, citoyens américains ont plus qu'à sauter chaque jour concernant le crime qui a fait dans le pays. Et sous dossier ça, républicains ont gagné un avantage sous démocratie. Comme quoi, majorité citoyens pensent que parti républicain a fait un plus bon travail passer parti démocrate là pour combattre la criminalité. Stratégie administration Biden pour lutter contre criminalité reposait surtout sur un plan pour partager responsabilité activement avec autorité état ensemble avec autorité locale pendant que gouvernement fédéral là a baillé l'idée sous façon pour l'agent dépenser pour atteindre l'objectif là et puis la renforcer initiative qui déjà en place. Avec visite là, président Biden a une chance pour défendre tête li contre critique qui a augmenté bon côté républicain yo. Qui pas suspendre reprocher d'est-ce que le trois mous dans la bataille contre crime non. Et puis, l'a cherché prendre distance li avec éléments qui sous celle loi de patia, qui a insisté pour le gouvernement ou était l'agent qui a financé le travail la police pour servir avec le pito pour renforcer dépenses pour programme social. Tant qu'on me dit ça déjà, nous pas là pour nous suspendre le financement. Nous là pour nous continuer à financer et puis mettre plus service toujours à la disposition de la communauté New York. Mais faut que le Congrès fait travail. Dossier Zanafea, trouvé dans le temps débat politique aux États-Unis, dans le moment où le pays a prédit pour mettre le contrôle sur une grosse quantité d'assassinats qui est arrivé dans le top niveau en 2020, dernière année administration Trump-là. Assassinat qui a continué par bande et par paquet, tous journée jeudi. Lionel Demarat, La Voix de l'Amérique. Merci Lionel Demarat, toujours sur la Voix de l'Amérique, à permettre depuis Washington DC. Nous pourrons aborder dossier Omicron ou bien coronavirus dans un petit moment, mais en attendant, je vais mettre Massou. Je ne mettez pas comme ça, Massou a protégé. Massou a protégé. Masque protégé. Masque protégé. En nous, on protège l'autre. On fait coucou rouge de coronavirus là, qui continue à faire des gains dans le monde là.
Attention, pas capon. Grand monde, pas joué. Mettre corps, veiller corps. Ou toujours sur la voie de l'Amérique, peut mettre depuis Washington DC. N'a pas salué toutes les amis qui suivent nous, qu'on y a là sur Facebook là. Nous contents de ce que vous branchez dans le moment ça pour suivre rendez-vous info dernier sorti nous. Pour ce maintenant, nous dit toutes les amis yo, qu'en bela par la guerre. Et puis nous salue tout et affilié nous spécialement Storm TV qui toujours avec nous sans la guerre. Nous pas oublier télé ya Guana. N'a pas entré dans le dossier Omicron. Nous parlons dans nos pays d'Haïti d'abord. Directeur santé publique dans le département ça, Dr. Ernst Robert Jasmin, fait qu'on est gain plusieurs cas coronavirus qui enregistré dans la région qui fait face à une épidémie grippe. Avec fièvre qui touchait plusieurs familles. Toutefois, docteur Jasmin révélait que la majorité des gens qui frappaient avec COVID-19, là, c'est les gens qui avouaient que yo pas de prend vaccin. Pendant le préciser que le vaccin pas qu'à empêcher les gens de prendre le virus, là, bien que les empêcher que ou dans condition très grave. Yon reportage, Yvan Martin Jasmin, depuis Cap-Haïtien. Devant épidémie grippe à fièvre qui frappe plusieurs familles dans le département nord-pays, dans deux derniers mois, le directeur santé publique dans le nord, Dr. Ernst Robert Jasmin, reconnaît qu'il y a un symptôme, un coup de douleur à tous qui manifestaient, la caille plusieurs monde qui étaient attrapés fièvre, révélé la caille variant coronavirus après test laboratoire. Toutefois, Dr. Jasmin déplorait une situation côté gain en pile monde qui acceptait qu'il y ait un symptôme COVID-19 là, mais qui refusait santé publique tester. Docteur Ernst Robert Jasmin. Mais si vous me dites, haïtien, les malades, surtout que si vous connaissez que vous avez une symptomatologie, une maladie qui a suivi, vous avez plutôt fui le système, tant que vous cherchez une solution au niveau du système. Donc, nous avons un peu de cas qui ont une fièvre avec des hommes, mais qui étaient volontairement pas approché du système, de peur d'être testé et de peur d'être diagnostiqué comme si d'avoir corona que d'avoir gain. Il y en a même qui me dit que je ne suis pas certain que c'est vraiment corona, mais je ne vais pas le faire test. Cependant, docteur Ernst Robert Jasmin a ajouté, direction département santé publique dans nos pays, constaté que la majorité des gens qui étaient frappés COVID-19 là, c'est les gens qui pas de vaccinés. Directeur santé publique dans nos pays d'Haïti, tu es parlé avec service créole, la Voix de l'Amérique, journée jeudi 3 février 2022, pendant que tu as participé dans un conseil technique qui rassemblait tous les directeurs de services publics dans le département que délégation Noa a organisé dans le centre opération urgence département. Yvan Martin Jasmin pour la Voix de l'Amérique, Cap-Haïtien. Nous avons toujours dans le dossier coronavirus. Le système médical états-unien a confronté un raté dans tout pays dans le moment augmentation cas. Omicron yo gêné capacité li pou collecter sang nan men donateur yo nan lieu de travail yo et sous campus universitaire yo Marie-Louise Pierre. La Croix-Rouge États-Unis qui bay 40% sang nan pays a dit réserve li rivé nan yon niveau bas qui bay gros ke sauté. Ça qui veut dire gen quelques hôpital qui obligé renvoyer opération yo parce que yo pa gen assez sang nan banque yo. Agence cap collecter sang yo ak responsable hôpital yo dit il a fait face à pire mauvais raté sang que ont été jambes gagné depuis plus passé yon dizaine l'année après que dans sang ont été subi une réduction 10% depuis commencement pandémie. La Croix-Rouge a fait face à qui ont raté sang dans tout pays a. Ça veut dire dans quelques cas nous gain provision sang dans main nous pour yon jour. Et c'est une situation qui critique parce que les forces médecins ont pris une décision qui est très difficile pour connaître qui moun que y a bay sang. Et qui moun ki doit tendre gain plus sang qui disponible d'après porte-parole la Croix-Rouge Carrie Difton. La Croix-Rouge ak l'autre agence dépend sérieusement sous marathon pour collecter sang dans business yo avec université yo. Mais en pile l'activité sa yo t'est annulé. Le tout bagay t'est fermé pendant pandémie. Hein. Étudiants université yo t'est représenté 25% dans donateur yo dans année 2019 mais seulement 10% en 2021. D'après la Croix-Rouge. Augmentation cas Omicron yo qui était commencé dans États-Unis dans mois décembre 2021, débouché sous manque employé dans travail yo, ak moins moun kap bay sang parce que donateur yo rete la kayo ou bien yo malade avec COVID-19. Dans sa yo reprendre depuis la Croix-Rouge t'est déclaré gagnon crise sang dans tout pays a dans mitan mois janvier passé, mais toujours gagnon manque sang grave que autorité yo dit qui pral prendre plusieurs mois pour résoudre. Moun yo commencé à venir pour bay sang, mais c'est un problème qui a pour longtemps, qui pral besoin assistance
pendant un pile mois parce que gen un pile cas toujours côté patient besoin sang pour opération kounye la même. D'après Nancy Foster, vice-président Association l'hôpital États-Unis. Marie-Louise Pierre, La Voix de l'Amérique. Merci Marie-Louise Pierre, faut dire que malgré tout ça Omicron a fait dans pays les États-Unis, un département de travail sorti un rapport là qui dit que malgré ça un ben gagné et secteur travail là il défie Omicron à côté que yo gagné 467 000 jobs en plus. Donc c'est une victoire pour président administration président Joe Biden. Nous pral parler de Olympique et ben jeudi vendredi 4 février 2022, c'est ouverture Jeux Olympiques d'hiver et Pékin 2022 dans pays la Chine malgré nous connaît que gagné coronavirus là mais événement en place ça qui pas empêche mais ça empêche un peu que il gagne toute ampleur toute dimension que normalement que événement ça qu'on gagne faut nous dire que c'est 24e Jeux Olympiques d'hiver qui commence jeudi 4 février 2022 et l'a fini 20 janvier Cap Villa. Avec présence, bien sûr, pays d'Haïti, suivez 15 à 16 et février prochain, côté équipe ski Haïti a entré en compétition. Nous avons deux principales skieurs en parlant de Mackinson avec Richardson Viano. On suivez M. Sayo parce que c'est tête chargée et c'est un bel bagage parce que Haïti, son pays qui fait chaud, participer dans les Jeux Olympiques d'hiver, son bagage extraordinaire. Mais l'autre pays qui a participé dans la compétition Sato pour la première fois, c'est Jamaïque. Sandra Lemaire a présenté nous un skieur jamaïcain en suif. Ancien DJ ça, c'est premier skieur alpin olympique la Jamaïque. Benjamin Alexander a fait ski depuis 6 ans seulement, mais il est qualifié pour Jeux Olympiques hiver Pékin. Il dit ça gagne 50 ça, il était invité me faire élu ski dans Canada. Et il était invité pour jouer musique en tant que DJ, amuser et puis un jour, pour déjeuner, il était mettre nous dans l'hélicoptère, et puis maintenant nous rencontrer skieurs pour manger à Kyo. Et dans fait déjeuner, monsieur était monté sous ski et moi t'ai voyé fait un bagage, moi t'ai quoi qui était super humain. C'était un bagage incroyable. Et moi décidé même là que c'est ça moi vais faire. Et que prochaine fois, ma pojoigno, année prochaine, c'est pas tap en tant que DJ, moi t'ai détourné comme skieur. Moi prends première leçon, moi, sous montagne, au mois de février 2016. Et puis, pour Noël 2017, et 9e jour que m'tap fait ski, moi t'ai rejoigne messieurs. Alexander est comme entraîneur, ancien athlète trino jamaïcain Dudley Stokes, qui a participé dans 4 Jeux olympiques entre 1988 et 1998. C'est monsieur qui a inspiré le film Cool Running là. Il dit pour plus fort, ski, c'est un sport blanc. Donc, chaque fois que je fais ski, je suis représentant noir. Et pas seulement ça, les amis qui ont contacté, qui aiment, ils disent, moi, c'est mon Jamaïque. Donc, ils parlent de cool runnings, Jamaïcain sous glace, où tu dois aller dans les Jeux Olympiques. Et après, moi, j'étais allé dans les Jeux Olympiques comme spectateur en 2018. Moi, j'ai réalisé grand puissance Jeux été au Jamaïque. T'es qu'il y a seulement 3 athlètes à Nessa. Donc, moi, t'es quoi? Peut-être, moi, j'ai une chance. Donc, je dis à nous, n'a pas causé sous première participation dans les Jeux Olympiques et en tant que premier skieur alpin, c'est mon bagage fou. Mais tout Jamaïque n'a pas rappelé que Haïti a participé dans les Jeux Olympiques Pékin et tout. Sandra Lemaire pour la Voix de l'Amérique, Washington. Merci Sandra, bien dit. Haïti présent dans les Jeux Olympiques d'hiver Pékin 2022. Faut dire que même si nous tendez Beijing c'est en anglais, Pékin nous prend Pékin dans créole avec français. Donc on dit Pékin 2022 ou bien Beijing 2022, c'est du pareil au même. Donc Haïti faut suivre, me dit nous 15 avec 16 pour nous capable suivre Mackinson avec Richardson qui a représenté Haïti. Et puis dans la question football, nous connaît que Égypte avec Sénégal a fait finale dimanche Cap Vin là et puis samedi c'est match consolation entre Burkina Faso avec Cameroun, donc pratiquement pour troisième place. Mes amis, c'est un plaisir pour te servir.